Samedi 9 février, à l'occasion du 13e acte des Gilets jaunes, lors du cortège parisien, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, 100 à 150 antifa se sont glissés dans le cortège et parmi les manifestants, et ils se sont agglutinés autour de la librairie, parce que le cortège passait devant la rue de Médicis pour aller jusqu'au Sénat. Et alors là, évidemment, ça a été le massacre, jet de bouteilles, jet de pavés. On voit les impacts, hein. Donc heureusement que la vitrine a un film protecteur, donc de telle sorte qu'elle n'a pas volé en éclats. La porte, ne parlons pas de la porte. Hein. La porte à coup de pelle, hein. La porte a été démolie à coup de pelle, hein. Donc les dégâts sont considérables, et évidemment la centaine d'Antifa est repartie comme si de rien n'était, avec le sentiment d'impunité qui l'habite. Heureusement, le libraire a tenu bon et on a été protégé par un cordon de gilets jaunes qui ont évité que les dégâts soient beaucoup plus lourds.